Et salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour l'épisode 8 de Need for Speed 2015. Donc là, on continue le let's play. Donc là, la dernière fois, on s'était arrêté après avoir fait quelques missions, quelques courses, notamment 2-3, je crois qu'on avait fait hors mission pour essayer d'amasser pas mal de thunes. Donc avant de lancer la vidéo, j'ai checké un petit peu dans le garage les véhicules et voilà, il y a 2-3 véhicules qui me tentent bien. En sachant que hier, j'ai joué un petit peu en multijoueur avec une deuxième personne. Histoire de me faire un peu de thunes et monter un petit peu en level aussi, et surtout au niveau de thunes, voilà, je cache pas. Et du coup je suis arrivé à 28 000 et il me manquerait à peu près 15 000 pour avoir la Mitsubishi Evo Lancer 2008 qui me tentait bien. Il y a aussi la Supra que j'aimerais bien prendre. En plus de ça, je prends une photo, c'est pas ça que je veux faire. Oui, klaxon lui. Je sais pas comment. Pas klaxon moi sur le truc là. Je sais pas où il faut klaxonner. Bon, je suis passé à la manette hein, du coup. Par rapport à hier aussi. Plus simple de faire les drifts à la manette en fait. Parce qu'au clavier. Un peu compliqué. C'est un peu plus simple. Voilà. J'arrive mieux à tenir le drift en fait. Hein, parce que. Les touches c'est un peu plus chaud. Ah, bref, donc on va continuer l'émission. Donc la dernière fois on s'était arrêté, je crois, après avoir fait du manu, preuve de drift. Oui, bah oui. Alors ça, c'était super. Il y a des tas de courses à faire dans les montagnes. Et les flics sont très occupés en ville. Allez, en route. J'en ai fait une. Allez, il faut en faire plusieurs de manu. Il joue la prochaine. Je suppose qu'elle est en haut là, non? Il y en a une là. Avec deux. Après ouais, j'ai fait pas mal de balades hein, pour découvrir les panneaux, tout ça. Enfin les panneaux, les pièces. Quoi passer, hop. On va rouler hein, de toute façon c'est pas très loin là. En fait ça va. Hop. Donc voilà, et en plus avec la personne avec qui j'ai joué hier, mais expliqué qu'en fait on pouvait avoir jusqu'à 10 voitures, parce qu'on avait un entrepôt. Pour stocker les bagnoles qui nous intéressaient pas trop, donc ça va, 10 voitures ça va par rapport à 5, un peu plus raisonnable. C'est un peu plus libre de choisir les bagnoles qu'on veut. Que du coup, je vais pas me restreindre, je verrai pour prendre ce qui me plaît. Ah, voilà. Bon, on va s'y rendre, donc les joueurs reviennent, ouais, rejoindre, quitte. Pour l'instant voilà, je me focalise sur un petit joueur, enfin sur le solo, même si les joueurs se connectent. Là par contre il y a quand même des petits soucis de temps en temps. Hein. La voiture qui reste collée au mur. Hop, allez, on est parti. Hey, gamin, t'es prêt ou quoi? Quoi le gamin, wesh. Quoi le gamin? On va voir ce qu'il vole dans le ventre. Déjà, je suis parti un peu dans les pâquerettes là. Oui, aussi, je l'ai mis à fond en drift, hein, dans les paramètres. Pas casser le cul. Par contre là ça va pas du tout. Wow, ouais, il part tout seul là. Thank you.
pas simple, hein, même avec la manette, la conduite est un peu spéciale. Hein. Je dis Need for Speed par rapport à Forza ou. Le coup. Bon, pour l'instant, je l'ai leur foule à branler. Hein. Pas hein, des fois tourner, hein. C'est bizarre. Hein. Je joue la conduite. Hein. Des fois ça tourne pas, des fois ça tourne alors que je veux pas. Bon, voyez, entre temps je suis passé niveau 25. Hein. Voilà. La fois d'impression dans le niveau 20. Avec les collectifs, tout ça, c'est assez vite. Pas évident hein, cette conduite là. Bon, je suis déjà à 100 000 points, la nuit à 42. Essayez de le bloquer pour le gêner là. Le gêner pour le bloquer, c'est comme vous voulez. Hop, il est à la fin. Hop. On va presque 120 000 points. Mal, 7 000 $ pour ce prix. Hop, niveau 26, on va débloquer des pièces. Donc, qu'est-ce qu'il me vend encore, Manu? Hey, la nuit est pas finie, mec. La prochaine course va démarrer. On se voit là-bas. Et d'ac. Donc la prochaine course du coup, c'est bien ce qu'il me dit, pas où c'est. Donc au niveau de la réputation, j'en suis à où là? Ouais, c'est bien ça. Ouais, j'ai gagné des pis. C'est quoi que les pièces que j'ai gagné aussi? Compresseur, entrée d'air, ouais, différentiel, donc ça c'était hier. Ok, donc menu c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Mélissa qui m'avait contacté en off. Ok, ouais. J'ai coupé en fait, ouais, c'est par rapport aux courses avec Eddie, mais c'est pour ça faut encore monter en niveau, etc. Donc c'est pas pour maintenant. Par rapport à Need for Speed Underground, il y a une mise à jour, je sais plus combien qu'ils avaient fait. Avant qu'ils arrêtent de faire une mise à jour du jeu. Hein. Ils avaient fait une image avec des épreuves d'Underground. Quoi ça, le cavalier là? Ah mais c'est, ouais, c'est le truc d'Eddie ça, c'est ça. Ça les courses, on fera ça plus tard. Du coup, bah, Manu on a fini là, on a plus de mission. Bah, moi qui nous, il faut qu'il nous rappelle, je sais pas. Non. Rien, j'ai fini celle-là donc pas besoin de la refaire, j'ai fini. Bonne. Regardez hein, parce que des fois qu'il y a une course cachée là. Non. Bon ben j'ai l'impression qu'il faudra qu'on fasse autre chose pour qu'il débloque d'autres missions avec Manu. On a fini avec Manu, j'ai l'impression, pour l'instant. Donc on va aller voir Robin. Hop. Que contre la montre par contre on va changer de bagnole peut-être. On va passer en grippe. Ah, je réflexe de couper le micro, parce que j'ai bien éternué là. Bref. Bref, ouais, donc du coup on va retourner au garage avant. On va passer ça en grippe. De toute façon, comme ça, hop. On va passer en grippe. La Mustang, ou alors je reprends la BRZ et je la pousse un peu, mais ça me fait un peu chier. Parce que j'essaie d'économiser pour acheter une autre bagnole. D'ailleurs, est-ce que j'ai assez? Parce que si j'ai assez, hop, on l'achète et après. 35 000, je crois que je vais être pas très loin.
putain, il manque, donc 800. Ou au pire, on reçoit avec la Mustang en drift et on va faire une course random, juste pour voir assez. Je pense que la Lancer la faire en grip hein, comme la BRZ, mais plus performant, je pense. L'autre est carrément sorti une marche à la go là. La carte, donc on en est où? Il y a ça, course de drag, on peut le faire, hein, limite. 1000 drive, ça doit être simple. Merde. Oui, hein. Bon, faut que je m'habitue avec la manette. 6 épisodes avec le clavier. Forcément. L'autre, il a l'air de me suivre. Hein. Je sais pas ce qu'il veut. La voiture lui a tapé dans l'œil, je sais pas. Hop, on va faire le drag. Ok. Oh, c'est la première fois que je le fais, hein, donc je risque de fail, c'est fort probable. Tu vas adorer, c'est sûr. Voyons ça en détail. Les courses de drague reposent sur la préparation et le timing. Avance ta voiture dans l'air de départ et fais patiner tes pneus pour les amener à la température qui leur donnera un maximum de grip. Mais exagère pas non plus. Essaie de réaliser un départ parfait quand le feu passe au vert. Chaque fraction de seconde peut faire la différence. J'ai fail, je crois. Non, ouais, j'ai dû me fail. On va attendre le départ. Hop. Ok. Ah, en plus c'est même pas fini. Ça golf. Ok, c'est full bugué, même ça a pas de fibré là. Mais bon, au moins on a les 2000 nécessaires. Pour pouvoir retourner dans le garage. Et du coup on va pouvoir s'acheter la Mitsubishi. Du coup. On va pas pouvoir faire grand chose hein, pour l'instant en termes de modification. Donc voilà, hop. Donc ouais, on va juste voir au niveau des modifications ce qu'on peut faire pour l'instant. Niveau performance, peut-être on peut rajouter des trucs. Non, rien de possible dessus. Ah ouais, on fera du performance pour l'instant. Tu rajoutes de la nitro pour moi. Ah, même pas, on a pas assez. Bon, je vais pas la prendre pour l'instant hein, vu qu'elle est de base. Hein, ça va pas trop faire, je pense, pour les contre-la-montre tout ça. Donc, on va rester avec la Mustang et je vais la switcher juste en grip. Hein. Hop, tac, tac, tac. Je sais pas ce que ça vaut hein, ça le truc en haut. Très bien voir. Très bien voir le comportement qui change vraiment. Ouais, ça part pas plus en crabe. C'est un peu mieux quand même. On se voit, c'est limite si c'est lourd à tourner.
c'est un peu chaud à tourner, mais bon. Moi, ça sera bien comme ça. Bon, du coup, hop. On va faire contre la montre, hein, du coup. Ah, c'est du Gymkhana. Ah non, on va faire contre la montre de Robin. Hop, on va se TP. Non, on est jusqu'à 18h et après on fera du Trackmania. Je continuerai le mapping, tout ça. Hop. Ok, tu sais comment ça marche. Pas, hein. Plus du tout là. Là, il n'y a pas trop de trajectoire, enfin de virage dans les montagnes, etc. Ça ne tourne plus du tout. Bon, c'était simple, hein. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Hop, ça fait 4000$ en plus. Et ouais, je vais retourner dans le garage, hein, parce que c'est pas terrible. Bon, la limite, hop, on va faire cette course là. Salut. Ouais, c'est vrai. Je connais absolument rien au billard. C'est bien ce que j'ai fait, là? Ah, je te vois venir. Si t'es si sûr de toi, faisons monter les enjeux. Bim. 4$. Tu sais, tu devrais pas gaspiller ton argent de poche, mais... Au vu de ton pilotage, il te faut un plan B. Ah, Manu, moi je crois que tu ferais mieux de prendre exemple sur notre vieux pote. Parce que lui, il se tait, mais il observe. Allez. C'est parti. Allez, allez. Oh. Hey. Pas loin. Ça roule? Ah, ouh. Non, c'est bientôt l'heure. T'en es à combien de cafés, Spike? Robin a raison, mec, calme le jeu. Désolé, mais c'est impossible de calmer le jeu. Tu crois que Magnus est arrivé au sommet en calmant le jeu? Non, mais pour info, t'es pas lui. Hé, hé, vous entendez, là? Ah, ouais, vous entendez rien, parce que j'en ai rien à battre. Pourri. Tiens, c'est l'heure, on dirait bien. Ouais. T'éloigne pas de ton téléphone, mec, parce que ce soir, il va vibrer, mais d'une force. Allez. Wow. Donne-moi ça, toi. Ouais. C'est magnifique pour rien faire en fait. Hein. Bon, ouais, comme ça on débloque d'autres missions, je suppose. D'autres courses.
Hop, non, j'ai trop de boutons. Ouf, on a quoi? On a Robin ici. On va continuer avec Robin. Hein. Voilà. Avancer. Ah oui, merde, par contre, non. On va bien voir, mais si je galère vraiment avec la Mustang comme ça, on va peut-être repasser sur la. Sur la Berzin, la Mustang, je la remettrai en drift. Ramène-toi vite fait à Royal Park. Il y a toute une bande qui a envie de se la donner. A plus. Super. On va montrer à ces petits pas qu'ils ont à faire. Go. Ouais, là, je pense que je vais manger tous les murs. Hein. Parce que vu qu'elle tombe pas en grippe là, cette galère, je dois utiliser le frein à main chaque fois. J'ai oublié de tirer le frein là, donc ça tombe pas. Merde, trop tôt. Ah, tire-toi avec la. Toyota. Bon. Moi je les rattrape en ligne droite, c'est sûr, mais. Pas son niveau facile, j'ai l'impression. C'est ce qui est marqué, hein. Ce qui était marqué. Facile. En fait, ils sont vraiment ralentis. Moi j'ai dit voilà, là c'est petit, c'est pas des, non plus des petits petites routes. Hein. Bon, là chaque virage je suis obligé de tirer le frein à main, pas du temps. Putain c'est la dernière droite là. Dernier virage. Bon, je suis deuxième je crois. Je crois que ça passe là-dedans, si on est dans les deux premiers, dans les trois premiers. Cinquième, c'est quoi ce bordel? Ah il fallait faire du drift, putain je m'en peux. Je vais faire du drift, ok. Bon, forcément, je t'ai un peu baisé. J'ai pas lu, il fallait faire du drift. Bon. Hey, c'est rien, mais me la fais pas à l'envers. Ouais. Bah, du coup, on va retourner dans le garage, hein. Tant pis. On va essayer de reprogrammer ça en drift. Hein. Je pense que c'est plus simple en drift. Hein. Même en ligne droite, ça tient mieux. Hop. Tac. On pourrait peut-être mettre en. Ça. Voilà. Voilà. Du coup, on va prendre la BRZ hein, pour l'instant. On va faire d'autres de course, mais en time attack, tout ça. Je crois que la BRZ, par contre, elle n'est pas montée à fond. Ouais, niveau de la thune, là, j'ai pas grand-chose. Hein. Il va falloir vraiment que je me refasse. Pour la peinture, voilà. Hein. C'est vraiment du random. Ça va changer de toute façon. Bon, je fais enfin tout ce qui est changement de peinture, tout ça. Pas que ce soit trop intéressant de regarder une heure et demie de peinture. Là, par contre, ouais, je suis toujours pas acquis. En fait, là, je crois que je suis pratiquement à fond. L'embrayage. Moi je reste trop cher de toute façon.
cher. On va différencier ça à fond comme ça, ça sera bon. Les pneumatiques. Hop, en grip. Ouais. Hein. Bon, voilà, j'ai plus de thunes. Donc on est reparti. Finalement on aurait fait 4 ou 5 fois le garage, hein, désolé. J'espère que dans Payback on pourra switcher de voiture sans être obligé d'acheter à chaque fois au garage. Bon, déjà ouais, c'est un peu mieux que la Mustang, moins lourd. Maniable. Forcément, c'est full online, on ne peut pas faire pause dans ce jeu. Bon, on va faire le contre monde de le sprint de l'autre. Le spike, l'écureuil. Ils sont assez longués hein, ces chargements. The Crew là-dessus ils sont bons, hein. Y a pas de chargement, y'a rien. Wow, dis donc, t'as speedé comme un ouf. Prépare-toi mon pote. Le bus TP c'est long. Ça va faire mal. Allez, c'est parti. Voilà, ça tape dans tous les côtés. C'est vrai que la nitro elle est pas montée à fond. Hein. Voilà, là c'est. Claquer en 2 secondes. Un problème avec BRZ, hein. C'est-à-dire qu'elle a 7 vitesses mais la 7ème est très très mal programmée en automatique. Donc là ça va passer à la 7ème, ouais, ça boot. Ouais. C'est la ligne droite, à la limite toi j'aurais pris un Mustang, ça aurait été pareil hein. C'est que la ligne droite. Pareil hein, ça a du mal à tourner aussi. Niveau 27. Bon, j'ai lu en fait, c'est, je crois que c'est niveau 60 ou 61 le maximum du niveau. Lui, j'ai l'impression qu'il me suit hein, partout. Yo, mec. Avec sa Lamborghini. Maintenant, Brin veut voir ce que tu donnes en vrai. Tu vas voir, ça te déchire. Allez, on en reparle. Ah mais peut-être le drift j'ai pas fini premier, c'est pour ça. Avec l'autre Manu. Parce que voilà. Bobine c'est fait. La flèche mais elle m'a pas rappelé rien. Pareil pour Manu. J'ai fini dans les 3 premiers, on a fini 5ème.
Ça se trouve, le truc, j'ai du fail aussi. C'est ça, hein. Pas d'autre explication parce que l'autre. L'autre mission a disparu. On l'a bien validé. D'accord. Donc, pas nu en fait, on a pas fini. Hein. J'ai dû me fail la dernière fois, je sais plus. Enfin, bref, de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode là. On va peut-être faire une dernière mission juste avant. On va faire une course. Une course pas. Pas du mode histoire, hein, juste ça pour gagner un peu de thunes. On est où nous? On est vers où? Où est-ce qu'on est indiqué là-dedans? On est là, ok. On va faire ça là, hein. Time attack là. Hop. Et puis aussi j'ai une photo à faire là. Ouais, cette partie là j'avais pas encore découverte en freeride l'autre fois. Les collectibles, je les ai pas encore prises. Oui, pardon. C'est au niveau des aides, hein, ça pêche là, je sais pas pourquoi. C'est la mission que pareil, ça a du mal à tourner. Donc il y a un flic. Hein. Faut pas que ça soit pour nous, flic. Hop, bon, 2030. MQ, ça doit être un youtubeur, ça, je suppose. Ah, c'est une R32, c'est même pas qualité. Ah, en plus il courait même pas contre moi, en fait il est parti juste un joueur random. Un joueur, un bot. Ah ouais, même s'il s'est mangé. Continue les flics, hein. Bon, je suis pas sûr de battre le score là. Bon, est-ce qu'on vient de TP encore? Pas tirer tout droit là, c'est chiant. Hop. Ça prend quand même un compte de passer par là. Bon. Ok. Ouais, j'ai eu du bol, hein. 2030. Pas très loin. Bon, comme ça, on aura un peu plus de thunes pour la prochaine fois. On pourra monter un petit peu la Mitsubishi. Bon, moi, je vous laisse là. Pour YouTube, je vous dis à la prochaine. C'était Diablo. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Pouce bleu.